Je trépigne. Hein? Et trépigne, mais à l'italienne. Tu trépignes à l'italienne? Ah, oh, mais c'est Aldo! Aldo la classe! C'est oh. Juste caramba! Oh, ben tu trépignes! Trépigne. Oh là, tu trépignes! Oh, ce matin, c'est l'italien! L'italien! Et par trois, ma plus belle! Cappella! Cappuccino! Cappuccino! Et panzani! Allez, vas-y, mon Brice. Ah ouais. Chers amis passionnés, bonjour et bienvenue sur Essai Libre. Salut les passionnés. Avec mon ami Brice, je suis là un petit peu engoncé. C'est le... Engoncé. Dans une Alpha Sprint. Sprint Véloce. Sprint Véloce, 1,5 litre. Ouais, 95 chevaux. 95 chevaux. On démarre dans la voiture directement. Ouais. Vous voyez, alors, voilà, je vous montre un peu vite fait. On le verra un peu plus en détail quand on ira faire un tour avec Brice au volant. Regardez, je vous montre un peu la sellerie là. Vous voyez, c'est pas mal. Hein. Alors, on est là. C'est un monomaniac. Ah ouais. Mais on est là aujourd'hui. On va faire une triplette. Ouais. Hein? Bien les triplettes, moi. Une petite triplette. On va aller retrouver deux autres passionnés d'Alpha. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une Giulia. On a une Giulia, 1974. Ah, voilà, 1974. Très, très belle année. Si vous avez des autos de 1974, vous nous écrivez. Ouais. On va faire une spéciale 74. Ouais. Et on va les retrouver aussi, au-delà de l'Alpha Giulia, il y a une Alpha GTV. GTV. Alors, par contre, rien à voir avec la GTV 6 qu'on a fait il n'y a pas très longtemps. Là, c'est une GTV des premières générations avec les pare-chocs inox et le moteur de litre. Attention. Voilà. Donc là, on fait une spéciale 70-80. Ouais. Regarde. Ils sont là déjà, ils nous attendent de pied ferme. Regarde. Ça va me faire du bien de sortir, tu vois. Ah bon? Ah ouais, tu veux que je t'ouvre la porte? Là, je vais me sentir libéré parce que... Délivré. Ouais, tu chantes bien. Oh, j'ai horreur de cette chanson. Et regarde. Non mais sans déconner, on le voit, la tête, elle touche. Tu vois, si. Tu vois, avec la casquette, ça touche. On n'oublie pas quand même les fondamentaux. Et c'est libre, une vidéo toutes les semaines, tous les dimanches matin, avec son petit bol de café. De café, le reste, hein, café, thé, voilà. Tout ce que vous voulez. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire en activant la petite cloche. La petite cloche qui est... au-dessus de la tête, pour être au courant des futures vidéos. Aujourd'hui, oui. C'est l'Alpha Show. C'est l'Alpha Show. Alpha Show, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est beau. Oui. Regarde, allez, avec des yeux jaunes, il y a des yeux globuleux et jaunes aujourd'hui. C'est ça, oui. Hein, donc du 80, du 77, du 74. 74 et ouais. 77 74 pour la Giulia et 77 pour la GTV. Ouais. Philippe. Bonjour Philippe, bienvenue et merci, toi tu es proprio de l'Alpha Giulia. De l'Alpha Giulia, qui est magnifique. 74, oui. Eh oui, très très belle année, comme on a dit avec Brice. La GTV avec Patrice. Bonjour. Alors, bonjour Patrice. Patrice dit Monsieur le Président. Non, comme, non. Si, Brice l'a dit, Monsieur le Président. Ouais, mais, président du club. Ouais, d'un club de voitures anciennes. Des anciennes bénoises. Par qui on commence? La doyenne, alors? C'est normal, on lui doit le respect, non? Allons-y. Je vais faire un petit tour de la voiture, comme ça, pour montrer à nos amis au bout de la caméra qui nous suivent cette Giulia qui est dans un état absolument incroyable de propreté. Voyez, c'est marqué Nuova Super 1300. C'est ça. Wow. Alors c'est quoi en fait Nuova, c'est une finition, c'est quoi exactement? C'est italiano. C'est italiano aussi. Hein? Mais en fait cette version reprend le restylage de la 1600 en fait. C'était une 1300. Ouais. Et en fait en fin de carrière, la Nuova Super 1300, ils ont mis les doubles optiques, ils ont mis le contour, ils ont mis la cinquième vitesse, ils ont réaménagé la 1300 en 1600 quasiment. D'accord.
Et puis voilà, moi j'ai acheté un petit monsieur qui est malheureusement décédé. J'ai même le carnet d'achat de 74 à aujourd'hui. Donc, elle est folle cette voiture, c'est une deuxième main du coup. C'est une deuxième main. Toi, c'est une deuxième proprio. C'est ça. Mais est-ce que tu peux nous montrer l'intérieur parce que. Ah bah oui. Et quand même, la voiture, elle n'a que 60 000 km si je ne m'abuse. 65 000. Ah ouais, attends, je vais aller montrer ça parce que quand même. Regarde, 1974, on remonte dans le temps. Regarde ça, même pas 65 000 km. Oh là là, mais l'intérieur est très sympa. Ils avaient rajouté effectivement les petits. Température d'eau, pression d'huile, qui n'existait pas avant. Et pour 74, bah, si tu veux, tu as une voiture qui va quasiment à 170 km/h, à peu de choses près. Alors que la meilleure des voitures, c'était, je suis désolé Brice, les R16, ça plafonnait à 150. Ah oui, Alpha, ben. 166 la TS, monsieur. Mais les perfs là, sur cette voiture-là, en 74, ça donnait quoi alors? C'était 160, suivant les fiches techniques, c'est 168 km/h à peu près. D'accord. 89 chevaux. Ouais. J'ai une clim naturelle. Ah, ça c'est super. Mais c'est super ça. Ah, c'est vachement bien ça. Ah ouais. C'est super bien. Garde ça. Avec l'accoudoir central. Et les raisons de cet achat, c'est simple. Moi, je suis d'origine italienne. Ouais. Donc, on allait en Italie tous les ans, donc avec R16 ou R12, enfin bref. Et on se faisait gratter à chaque fois par des carabiniers en alpha. Gyrophare à 160-180, je me suis dit, waouh, c'est génial. Enfin, c'est la Madeleine de Proust, en fait. Ah, après, ouais. Tu te dis, ouais. Ça te rappelle ta jeunesse quand tu vois les alphas passer de la carabinierie. Ah oui, oui. Ah ouais, c'est génial. Quoi. Et c'est pour ça que tu l'as acheté cette voiture. En grande partie, c'est marrant l'histoire. Ouais, c'était exactement celle-ci. Bah, c'est celle-ci, sauf que les carabiniers sont soit bleu marine, soit noir. Ouais. Carabinier avec le gyrophare bleu. Et là, tu te remémores les alphas qui te doublent à fond sur l'autoroute. Tu dis, ah ouais, ça c'est bon. Ça. Parce qu'à l'époque, ça c'était une énorme voiture. C'était une grosse berline. Ah ouais, tu prends une Clio, je pense qu'elle est plus grosse que. Ouais, c'est vrai. L'alpha. Mais à l'époque, c'était un truc monumental. On peut regarder le coffre. Parce que je vois, il y a quand même un sacré compartiment là. Regarde ça. Ah oui, tu partais en famille là. Ah bah là, tu pars partout. Hein. Tu pars partout avec tout ça. Je sais pas si on m'a laissé le truc. T'as tout carnet d'entretien. C'est le carnet d'achat de la voiture de 74. Oh mon Dieu. Mais attends. En francs, 198 459 francs. Ah ouais. Je pense que c'est ça. Ça me paraît. Ouais. Eh ben dis donc. C'est beau d'avoir ça. Regarde ça. Le 10 juin 74. Tu te rends compte qu'elle va avoir 50 ans. Elle a 50 ans. Oh la vache. C'est beau d'avoir ça, Philippe. Varini, Guido, On regarde toujours, c'est les dessous. Alors là, je vois une sortie de peau. Mais quelle longueur. Aménagée un petit peu. Ah ouais, dis donc. Ça fait un beau bruit. Ah ouais. Attends. Le réservoir, là. C'est le réservoir d'essence. Le réservoir. Et puis ta ligne. Voilà. Bon, écoute, c'est propre. Elle est propre, oui. Elle est très propre. Hein. Mais à 60 000 km, elle est neuve. Elle est quasiment neuve. Elle a toujours été dans le sud de la France, sauf depuis 5 ans. Toujours dans un garage, toujours entretenue, quoi. Et du coup, tu la vends. Je la vends, oui. Voilà, ça y est. J'en ai bien profité. Ouais. Ma compagne préfère un cabriolet. Donc c'est un peu l'histoire. Je comprends ta compagne. Voilà, donc moi j'en ai profité, c'est un peu de l'égoïsme. Depuis 5 ans, j'en ai vraiment bien profité. Ouais, c'est bien. Je me balade. Tu t'es fait plaisir, t'as réalisé ton rêve. C'est important ça. Ah oui. Donc maintenant, je vais faire profiter quelqu'un d'autre avec une autre voiture, mais celle-là, je la quitte à regret quand même. Ah bah, il y a toujours un regret, mais on peut pas tout garder. Mais autant partir en haut de l'affiche, quoi. C'est bien. Ah bah c'est sympa, tiens. Oh bah dis donc. Ça fait course. Oh bah c'est beau ça. Un moteur de Ferrari. C'est beau ça. Donc c'est un 4 cylindres, 90 chevaux. 89 chevaux. 89 chevaux. Bon écoute, ça fait double plaisir. Cam. À l'époque, on faisait des belles choses. Ah quand même. Oui. C'est bien plus beau qu'aujourd'hui, quand tu ouvres ton capot aujourd'hui. C'est d'une tristitude. C'est un bout de plastique au-dessus. Un bout de plastique qui prend toute la. Toujours, voilà. Et là, avant, on voyait les choses, tu vois. Puis c'était rouge, ils avaient fait l'effort. Alfa Romeo, c'est toujours synonyme de sport. Tout à fait. Ouais, et c'est marrant parce que c'est toujours un peu en décalé comme ça. C'est jamais, c'est jamais horizontal. Ah oui, t'as raison, il est un peu. Et j'ai regardé sur d'autres modèles d'Alfa. C'est normal. Tu t'es posé la question de dire s'il n'y avait pas un problème de vissage. Eh ben non.
Non, ben voilà. Ah ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Comme ça, c'est vrai qu'on le voit, effectivement. La boîte à air, là. Ouais. Ah, c'est très sympa. Hein. Là, un truc à chicha. Ouais, c'est ça. C'est complètement ça. Ouais. Bah écoute, très bien. Et donc, ça roule quand même pas mal, parce que tu disais 170 presque. Ouais, 100. À peu près, 168, oui, il me semble. Mais moi, je la pousse pas trop, parce que le papy qu'il avait avant devait tourner à 3000 tours. Ouais, tu l'aménages. Tu l'aménages. 3005 max. La calandre qu'on voit encore aujourd'hui, ouais. La fameuse calandre à Formio. Petit malin des fois qui essaye de te la piquer. Ça, c'est le moment de grâce, quand même. Regardez. Écoute ce petit bruit de l'alpha. Oh là 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 là. Oh. Oh ça, tu vois. Oh là, oh, oh, oh. À la Gérard Depardieu. Oh là là. Mais non, mais... Je trouve ça tellement moderne encore aujourd'hui, tu vois. Je sais pas pourquoi, moi, ça m'a toujours fait un effet. Tu vois, c'est... Moi, me fait penser au film Le coup du parapluie avec... Avec Pierre Richard. Avec Pierre Richard. Ah ouais. Il a gare, bam, Hercule, bam. Il avait ça, c'était... Il avait ça en bleu. Ah ouais. Ouais, il avait ça en bleu. Ah ouais, bien vu. Oh, écoute, t'as refait ma journée. Ça y est, non mais sérieusement, c'est... Tu reviens à Noël, tu lui fais la même, il a son... Ah mais moi, je suis content, moi, avec toi, je suis content d'un rien, tu vois, c'est... Très chic, l'autoradio, hein. C'est toi qui l'as mis? Non, c'est pas moi qui l'ai mis, on m'a appris dernièrement que je pouvais mettre Les CD. Et tu le savais pas? Non, j'ai appris vraiment, je l'ai mis en dépôt-vente. Ah oui, d'accord. Mais oh, bon, ouais. Non, mais je m'en sers quasiment jamais. C'est un rétro-moderne, c'est un post-rétro-moderne, ouais. En fait. Bon alors, Philippe, oui. Quand même... quand on a une Alpha comme ça, on est passionné de voiture. Ça vient d'où? Ça vient d'où cette histoire? Alors, mon papa a travaillé chez Renault pendant 42 ans. Ah oui. Mon tonton, 42 ans. Mon oncle, 42 ans, c'était le numéro 3 de chez Renault. Ah oui? Ouais. Il a fini responsable directeur Europe RVI. D'accord. Donc Renault Véhicule Industriel. Et c'était le responsable national de Renault toutes les succursales. Donc c'est la fibre ADN, c'est l'ADN familial. D'accord, donc déjà, oui, ça vient de famille. Ça vient de famille, même si j'ai pas une Renault, mais j'ai commencé par une 4 chevaux. Ouais. Il y a une dizaine d'années. Et puis voilà, la 4 chevaux, elle avait fait son temps, j'avais envie de changer. Et puis l'Alpha est arrivé pareil avec l'ADN plus familial que professionnel, avec mon historique italien. Ouais. Bah, aujourd'hui, c'est pas pour dénigrer, mais j'ai pas de... Non, j'ai pas de Renault. D'accord. Une voiture japonaise, j'entends tous les jours. Ma compagne, voiture... C'est quoi, voiture japonaise? C'est Toyota. D'accord. Un SUV. D'accord. Mais non, c'est mais ton moi, daily, oui. Hein, et en voiture passion, t'as celle-ci? J'ai celle-ci, j'ai acheté une MGB. Ouais. Conduite à droite. MGB, c'est un cabriolet? Ouais, ouais. Cabriolet. D'accord. Et puis là, je pense que je vais peut-être la vendre aussi. Acheter ah ouais. Autre chose. Qu'est-ce que tu veux acheter alors? Peut-être m'acheter une Porsche Boxster. Ah! Cabriolet, quoi. Ouais. Il y en a une dans une vidéo Essai Libre il n'y a pas longtemps là. Ah, moi je regarderai. Ouais, tu regarderas. C'est 2,5 litres, 204 chevaux, j'aime bien. C'était écrit sur le tableau de bord, c'était chic, il y avait un peu de bois, gainé, bien moussé. Non, il n'y a rien à dire. Et t'as la pression d'huile et la température de l'eau. Ouais, c'est ça. Alors, écrit en italien. Et orienté vers le conducteur. Lucci, lumière, farine et phare. Ouais, benzine. Benzine. Ouais, c'est marrant. Et pourtant, c'était vendu en France. Alors celle-ci, elle était vendue en Italie. Hein. Ah, c'était une italienne, c'est pour ça aussi. Partie, il l'a acheté en Italie. C'est un italien. Il l'a acheté en Italie. Milan, comme il était à Nice, il était juste à côté. Donc après, il est certainement venu en France. Mais est-ce qu'elle était vendue en France, cette voiture? Il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas s'il a été vendu, mais on en voit très peu en fait. Ouais. Ah bah oui. En Italie, dans les 70-80, il y en avait énormément. Ouais. Et puis il y a les petites manettes aussi, c'est marrant, ces petites manettes là. Tiens. Ouais, les essuie-glaces. Magnifique. Et la lumière. Le chauffage, la ventilation. Ah ouais. Ouais, ouais non, mais c'est marrant, c'est manuel. C'est très chic, hein. Oui. Couleur que le siège, alors est-ce que c'est fait exprès ou pas? Carrément. J'en sais rien. Tiens, regarde, voilà Brice qui va repasser. Oh là là là. Il est content. Ouais, allez. Ils vont s'adonner. Voilà. C'est bien les deux. Merci Philippe pour ce petit tour. C'était bien agréable. Ce petit tour
Parce que c'est pas tous les jours qu'on peut faire un tour dans une voiture comme celle-là. Et vu qu'il n'y en a pas beaucoup en France. 50 ans déjà, il y en a de moins en moins. 50 ans, il y en a de moins en moins. Et en France, il n'y en a pas beaucoup de celles-là. Allez, on va continuer avec la GTV. Ouais. Amis alphistes, si vous avez des Alfa Romeo... atypiques. Alors, atypiques. Moi, je serais pas contre une Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Hein. Ah, par contre, mais venez avec ça. Enfin, voilà. Et moi, j'aurais rien contre une Alfa 75 Evolution. Evolution ? Ah, purée. Evolution. J'avais un voisin qui en avait une, mais qu'est-ce qu'elle était belle, cette bagnole. Avec ses grosses jantes rouges, écrit Evolution sur la... Je vois, mais ah, purée. Et aussi une Alfa Romeo Brera. Ah oui. Oui, Brera, il y a ça aussi. Ouais. On peut faire une triplette d'Alfa, mais hein, tu vois, avec une Brera, Quadrifoglio, une 75 Evolution, et puis une 159. Ouais, tout à fait. C'est beau une 159 ouais, aussi. Hein. Oui, oui, oui. Hein, oui. Alors, bon, ouais. Même les 156. Et la un 156 en GTA. Ah oui, oui. Ah, une 156 GTA. Écrivez clibre1@gmail.com là. Vous n'hésitez pas. On prend mais elle est où ton adresse En bas, dans la description, dans la description de la vidéo. En bas. Ah d'accord. Voilà. Bon. Allez, vous faites ça les alphistes, hein. N'hésitez pas. Tu ressembles à un mec là qui pète des plombs et fouetter, un Driano. Ah bon ? Tu connais un mec ? Driano là, une 106 killer. Driano ? Ouais. Carambar ? Ouais. J'ai vu tu ça. J'ai vu ça passer. Bah, j'ai vendu ma 106 à Driano Carambar. Ah ouais ? Et il a payé ou hein ? Il a payé en rouble. Ah, il a payé en rouble. Il m'a payé en rouble, après j'ai converti. Je sais pas, mais. C'était, il est un peu spécial. Ah, il te ressemble, je trouve. Je sais pas, il y a un petit problème. Ouais, bon, là-dedans, non, mais. Il y a un petit air. Il y a un truc quand même. Un petit air, ouais, je sais pas. Je voulais lancer sur Esselib une question. Tu vois, chaque semaine, il y aura une question. Faut répondre à cette question dans les commentaires. Un buzzer. Attention. Dites-nous dans les commentaires si vous aimez Alfa Romeo. Si oui, pourquoi ? Et sinon, pourquoi aussi ? Parce que ça m'intéresse de savoir, moi, tu vois. J'aime bien le partage comme ça sur la passion automobile, et notamment sur la marque Alfa Romeo, puisque aujourd'hui, c'est l'Alfa Show. C'est l'Alfa Show, ouais. Voilà, ouais. Donc c'est la question. Vous y répondez à la fin de cette vidéo. Vous regardez. Deux réponses possibles, oui ou non. Oui, voilà. Si oui, bah, pourquoi ? Et sinon, pourquoi vous l'aimez, Alfa Romeo ? Vous avez 4 heures. Ouais. Patrice. Oui. On va regarder les beaux yeux de la belle avec... C'est des yeux italiens. Hein. Donc là, on est un petit peu après 1974, on est en 1977. On est en 1977. Je roule et... Aïe. Ah putain. C'est pas pour le mettre 88. Oh non, le mettre 88, il peut pas là-dedans. Regarde Brice, ça y est, il repart. Brice, ils repartent. Non, c'est pire que ça. C'est pire que ça, Brice, ils repartent, elles en ont marre. Ouais.